Je suis le gardien d'un film dont je ne sais encore rien. Et pour découvrir ce qu'il est, j'ai besoin de savoir d'où il vient. Un groupe d'environ 80 personnes monte dans le Nord Express, point de départ d'un séjour olympique de 3 semaines, organisé par Peuple et Culture et Tourisme et Travail. C'est l'ouverture des 15e Jeux Olympiques. Événement de grande ampleur, les Jeux Olympiques attirent dorénavant les caméras des quatre coins du monde. Marker comprend très vite qu'il n'aura pas toute liberté d'action. Quels enjeux et quelles réflexions ont alors présidé à la conception de ce montage? 5 mois après la fin des Jeux, la DGJS découvre une première version du film montée par Marker et s'en inquiète. Chris Marker, Alain René et Ghislain Cloquet se rendaient tous les matins au cinéma de Leicester Square à la séance de 10h. Chaque journée de travail débutait de la même façon, par la projection d'un Américain à Paris. Reconstruction de sa propre filmographie, commentaire, brouille les pistes. On y trouve le commentaire d'un film imaginaire, L'Amérique rêve. Et on y cherche en vain celui d'Olympia 52, premier long métrage du réalisateur. La présence de films fantômes, parce qu'injustement censurés ou parce que tout simplement imaginaires, comme l'absence d'un film existant, mais jugé trop faible, sont le résultat d'une très forte exigence intellectuelle envers lui-même. Marker trouvera tout naturellement sur le terrain de la représentation sportive quelques gémellités. Les Statumeurs aussi sera frappé par la censure jusqu'à la fin des années 60. La publication de commentaires aura donc eu, entre autres, le mérite de délivrer un peu de la substance du film avant même sa sortie en salle. J'ai lu dans Le Cœur Net, le roman de Marker, une phrase qui m'apparaît ici prophétique. Nous existons au milieu des miroirs. Si nous brisons les miroirs, nous disparaissons du même coup.